mais une petite polka qui parle de moi. Qui vous parle de mes amours au jour le jour. De mes amours qui finissent mal comme c'est banal. De mes amours qui finissent mal comme c'est banal. Oh, lorsque j'ai rencontré François, je me suis dit, il est pour moi. Il m'a dit qu'il était une boutique qui vend des vêtements très très chics. Je voyais mari de commerçant au bras d'un homme très élégant. Mais arrivé dans son plumard, voilà qu'il s'allume un gros pétard. Puis il s'est mis dans les narines quelque chose comme de la farine. Moi qui suis rempli d'allergies et qui souffre d'hypochondrie, je me suis barré en cavale, encore une histoire banale. Je me suis barré en cavale, encore une histoire banale. Et puis j'ai rencontré Hervé, qui était un homme très distingué. Il me dit qu'il est militaire et qu'il va faire une belle carrière. Je me voyais mari de colonel, une maison pleine de personnel. Mais arrivé dans son QG, ça c'est un peu compliqué. Il me sort tout un attirail, il y avait la même détenaille. Ah, qui n'aime que les caresses, que les baisers, que la tendresse. Ça a fini à l'hôpital, encore une histoire banale. Ça a fini à l'hôpital, encore une histoire banale. Et puis j'ai rencontré Kader, qui avait des airs de gangster. Il m'a dit je vends des produits qu'on ne trouve pas par ici. Je me voyais vivre le grand frisson, peut-être même la prison. Mais après une brève nuit d'amour, il est reparti au petit jour. Sans oublier de m'embarquer, ma carte bleue, mon chéquier, les clés de mon appartement, tous mes bijoux, mes vieux francs. Ça a fini au tribunal, encore une histoire banale. Ça a fini au tribunal, encore une histoire banale. Encore moins banale. Et puis j'ai rencontré Chantal, j'ai une cousine dans le Cantal. Les mecs sont bien trop compliqués, je me suis dit ben y'a qu'à essayer. Je me voyais père de 5 enfants, ça va plaire à ma maman. J'avais seulement oublié qu'il faudrait un jour l'honorer. C'était un peu avant minuit que je suis rentré dans son lit. Vers les 7 heures du matin, rien à faire, toujours rien. Chantal est reparti dans le Cantal, encore une histoire banale. Chantal est reparti dans le Cantal, encore une histoire banale. Mais hier j'ai rencontré Fabien, qui m'a dit qu'il était comédien. Vivre à la Comédie Française, tous les jours en costume Louis XVI. Il est reparti ce matin, m'a dit à ce soir mon lapin. Tiens c'est curieux, l'a pas rappelé. Il doit être très occupé. Y'a personne qui a appelé pour moi, non. Il doit être, oui, quand même, quoi, 11h moins le quart. C'est quand même un peu tard. J'ai vérifié mon interphone, les batteries de mon téléphone. Si cette fois-là ça finit mal, je vous le jure, je me tire une balle. Si cette fois-là ça finit mal, je vous le jure, je me tire une balle. Si cette fois-là ça finit mal, je vous le jure, je me tire une balle.